J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. Oh, j'aurais aimé que ma mère soit un gourou du sexe. Et si pour commencer, vous me racontiez votre plus ancien souvenir concernant votre scrotum? Non, crois-moi, t'aurais détesté. Il s'agit d'une nouvelle frontière, mon pote sexuellement refoulé. C'est enfin notre chance de remonter la chaîne alimentaire sociale. Je m'inquiète pour toi, mec. Tout le monde pense à s'envoyer en l'air. Ou ils projettent de le faire. Ou ils le font pour de bon. Les élèves de ce lycée ont besoin de toi et on a besoin de leur thune. Je me charge du côté commercial et toi de la thérapie. La thérapie? La thérapie sexuelle, comme ta mère. Ah, sexologue, non mais t'imagines, c'est un super plan, tu pourrais être populaire. Il se pourrait bien que je craque légèrement sur Maeve. Je suis obsédé par la branlette. Les poils pubiens sont déchaînés. J'aimerais être un mec normal et un père normal, avec une queue normale. Prépare-toi aux deux meilleures années de notre existence. Je vais vous donner des préservatifs. Non, merci, ça va aller. Reste en dehors de ma vie. Quel genre d'homme tu veux devenir? Quel genre d'homme tu veux que je devienne? Négateur! On choisit pas vraiment par qui on est attiré. Tu peux pas construire une relation de toutes pièces. I don't believe in love. Tu es ce que tu es. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Je trouve toujours très bizarre qu'un mec de ton âge soit sexologue.